année de la 64e Olympiade, par ordre de Lysandre de Sparte, notre valeureux Polyarque, en notre présence et celle des confédérés lacédémoniens, selon les conditions que nous avons imposées à la cité d'Athènes, nous allons commencer la démolition de ces murailles. Votre devoir. Hermétès. Alcibiade, un bavard, un démagogue. Ah, notre meilleur chef de guerre, tu veux dire. Dont tu devrais considérer la valeur. Si nos bons stratèges l'avaient écouté, ils auraient obligé les Spartiates à combattre sur la terre ferme, où ils avaient une chance de les vaincre. Sur mer, ils ne pouvaient s'attendre qu'à être battus. C'est facile à dire. Et facile à comprendre. Dans la terre ferme, Alcibiade disposait des archers et de la cavalerie thrace. Avec le gros de ses troupes supérieures en nombre, il aurait accablé les Spartiates et il les aurait pas à pas repoussés jusqu'à la mer. Je ne te savais pas, stratège. Une fois sur la côte, il les aurait taillés en pièces. Cela fait, il n'avait plus qu'à capturer leur flotte désarmée avec ton navire. La prochaine fois, je voterai pour que le commandement te soit donné. Ouais, moque-toi de moi si tu veux. La situation n'en reste pas moins grave. La bataille navale nous a coûté notre flotte. À part, dit-on, quelques-unes de nos galères qui se sont échappées. L'une d'entre elles était commandée par Canon. Lysandre a détruit ou capturé plus de 200 de nos navires et massacré de sang-froid 3000 de nos soldats. Un blocus par mer aboutissait de toute manière à la capitulation d'Athènes par la famine. Les Spartiates ont gagné. Il vaut mieux perdre la guerre que mourir de faim.
grâce aux dieux, Théophraste est un ami prévoyant. Et vous autres, de bons marchands pleins de ressources. À vous entendre, qui croirait qu'il s'agit d'une défaite, de la fin de la démocratie? Et cela t'étonne. La décence et la mesure sont des qualités que la jeunesse méprise. Et ce sont ces qualités-là qui ont fait la grandeur d'Athènes. La cupidité et le manque de scrupules ont aujourd'hui remplacé savoir, compétence et vertu. J'espère que le gouvernement des Trente, imposé par les Spartiates, ne nous fera pas regretter trop cruellement nos erreurs. C'est Alcibiade qui a commis toutes ces erreurs, et sa campagne de Sicile devait suffire à condamner sa politique. Mais tu oublies qu'Alcibiade a déjà plusieurs fois sauvé Athènes. Il reviendra nous délivrer, j'en suis sûr. Il ne supportera pas tous les outrages que nous font subir ces Spartiates, ni la cruauté de ces 30 tyrans qui nous ont imposés. Je sais que l'un de ces tyrans a dit à Lysandre, dès lors qu'Athènes a cessé d'être gouvernée par ses propres citoyens, les Spartiates peuvent enfin dominer l'ensemble de la Grèce. Et qui a dit cela? L'un de ces tyrans. C'est Critias. Et il ajouta, écoutez-moi bien, que si le peuple d'Athènes était disposé à tolérer la sauvagerie de ces tyrans, Alcibiade, au contraire, que vous attaquez injustement, essaierait lui et sans trêve d'abattre cette tyrannie. Alcibiade a été lui aussi l'élève de Socrate. Comme Critias. Oui, comme Critias. Mais c'est un élève plus illustre. Et Critias, qui en a toujours été jaloux, va sans le moindre doute vouloir sa revanche. Et Alcibiade, qu'il le veuille ou non, devra le combattre. Théophraste, si les dieux le veulent, tu seras bientôt le père d'un garçon. Qu'Aphrodite te protège, Théophraste. Nos voeux t'accompagnent. Merci, mes amis. Merci. Tu ne viens pas avec nous chez Phocion? Non, je regrette, je suis fatigué. Alors adieu. Hyperide, Anitos, Hermétès. Soyez les bienvenus. Et prenez place, je vous en prie. Dans quelques instants, le dîner sera prêt. Maître. D'où viens-tu? Des murailles. Par ordre de Lysandre, toutes les joueuses de flûte de la ville ont été rassemblées pour célébrer la démolition des remparts par les Spartiates. C'est ce qu'ils font à l'instant même. Et cette belle fête est finie? Non. Mais le coryphée te les enverra dès que possible. Nous les attendrons pour banqueter. La démolition de nos remparts ne doit pas nous abattre. Cela marque, je pense, le début d'une belle et profitable période. J'admire ton optimisme. Pour le moment, les citoyens d'Athènes se préoccupent plus de leurs querelles que de quelques renouveaux. Et ils profitent de la défaite pour régler de vieux comptes. Tu as raison. Je suis sûr que les Trente reçoivent des centaines de dénonciations. Notre ville, il faut bien l'avouer, demeure le royaume de la délation. Une profession lucrative et facile. Et nous connaissons tous tant de mouchards qu'il serait fastidieux de les énumérer. Oh non, ce n'est pas seulement l'appât du gain, c'est aussi la jalousie qui les pousse à se dénoncer les uns les autres. Belle profession que celle-là, en vérité. Les Athéniens se prétendent sages, mais ils ne sont qu'une bande de mouchards. Non, tu exagères. Nous avons aussi quelques raisons d'espérer des temps meilleurs. Que veux-tu dire? Je veux dire que les Spartiates, d'une certaine manière, nous protègent. Lysandre, quand on lui a demandé à la réunion de toutes les confédérations qui ont remporté la victoire
ce qu'il fallait faire d'Athènes, c'est un Thébain qui proposa que la ville soit rasée et son sol transformé en terre à moutons, et que nous autres soyons vendus comme esclaves. L'Assemblée approuva à l'unanimité cette proposition, mais personne ne se mit d'accord sur la manière et les procédés de son application. On en discuta jusqu'au banquet, banquet donné en l'honneur des chefs de l'armée victorieuse. Puis on se mit à table, et la décision, naturellement, fut remise. À la fin du banquet, un chanteur phocéen entonna, en s'accompagnant sur la lyre, le chœur d'Électre, d'Euripide. Et tous les convives qui étaient là, enthousiasmés, oublièrent leur résolution première. Comment avait-il envisagé, ne fût-ce qu'un seul instant, ce crime abominable qu'aurait été assurément la destruction d'une cité mère de tant d'artistes si fameux? Si cette assemblée avait été un conseil athénien, les convives exigeaient la mort d'Euripide. Au lieu d'admiration, ils n'auraient éprouvé que de la jalousie. Nous boirons donc à la santé des Spartiates. Conserve le dîner. Et dis non sans remords. Je sais de bonne source que les Spartiates vont faire, dès demain, une distribution de nourriture au peuple. Citoyens, au nom du nouveau gouvernement des Trente, nous allons procéder à une distribution de vivres. Approchez-vous. Vas-y, t'appuie dessus. Il est des temps que quelqu'un aille bouffer ce bavard. Va du pied. Silène. Bouilleux de philosophe. Racaille sans scrupule. Alors, Socrate, on t'a traité de pouilleux. Ah, à vrai dire, je ne porte pas les habits d'un prince. Tu as la tête d'un satyre. Peut-être. Et j'ai du ventre. Je devrais me mettre à la danse pour conserver ma ligne. Le premier venu te bat, te maltraite, et tu ne le traînes pas devant les tribunaux? Ah, oh, que veux-tu? Si je reçois le coup de pied d'un âne, je ne me fâche pas. Il est difficile de traîner les ânes en justice. Si vous vous étiez écouté parler chaque fois que je vous ai donné l'occasion de prendre la parole, vous sauriez qu'il n'y a qu'un seul bien, la connaissance, et qu'un seul mal, la présomption du savoir. Il est bien d'avoir des opinions sur ce que l'on connaît, mais vous, vous faites profession d'avoir des opinions sur toute chose. Par vanité, par faiblesse, vous parlez souvent de ce que vous ne connaissez pas ou de ce que vous connaissez mal. Imbécile! Laisse, Criton! Il faut respecter toutes les opinions, même si nous sommes en désaccord avec elles. Ce qui importe, c'est d'être toujours en accord avec soi-même, c'est-à-dire de ne jamais faire le contraire de ce que l'on pense. Et que penses-tu, toi? Que sais-tu que les autres hommes ne savent pas? Ce que je sais de plus que les autres, je sais que je ne sais rien. Regardez-les-moi, ces fleurs de farine, qui veulent refaire le monde en coupant des cheveux en quatre. Les Athéniens sont orgueilleux, Mélitos. Ils n'aiment pas la vérité. Cette querelle est plus grave que tu ne le crois, Hermétès. Socrate a été autrefois un soldat et un citoyen exemplaire, mais il nous a plus d'une fois prouvé son orgueil. Tu n'as pas oublié qu'il fut le seul de tous nos prytanes à vouloir empêcher que soit soumis directement à notre assemblée du peuple le cas de ces généraux qui avaient abandonné en mer, sans sépulture, 2000 cadavres de nos soldats. Socrate prétendait que nous devions respecter la lettre de la loi pour juger de ce crime abominable. Je m'en souviens. Il y avait parmi ces généraux le fils de Périclès et d'Aspasie. En triomphateurs, ils surgirent au port, fiers d'avoir gagné la bataille. Oui, mais dès le lendemain, presque tous les Athéniens se retrouvèrent en deuil. Et quand ils vinrent réclamer les cadavres de leurs enfants... Ils apprirent que ces cadavres abandonnés sans sépulture allaient devoir errer sur la mer sans connaître le repos. Quel genre d'homme est ce Socrate? Qu'il puisse considérer avec ce sang-froid un crime aussi monstrueux? Je ne comprends pas qu'il puisse séduire la jeunesse. Le fils d'Anitos, par exemple, a abandonné son père pour le suivre. Bon résultat, puisqu'il est devenu depuis un ivrogne. Et Alcibiade, son disciple préféré? Par sa faute, nous sommes entrés en guerre sans discernement. Et c'est à un élève de Socrate que nous devons notre défaite. Oui, à ses ambitieuses campagnes, à son expédition en Sicile. Voyons maintenant ce que fera Critias, notre nouveau tyran. Il fut lui aussi l'élève de Socrate.
Tais-toi. Tu n'es pas prudent. Acheter quelques nourritures pour ta famille? Si, tu as raison. Voici deux jours que nous sommes ensemble et j'avais complètement oublié que je suis sorti de chez moi pour acheter du pain. Il faut dire qu'il n'y avait rien à vendre et que les Spartiates m'ont troublé l'esprit. Que peut-on acheter? Donne-moi ce poulpe. Il a l'air bien. Voilà, mais... À bientôt, Criton. À bientôt, vous autres. Je rentre chez moi. Fais-tu là? Je t'accompagne. Ah, très bien. Xanthippe, j'apporte de quoi manger. Dans l'angoisse, alors que les Spartiates sont partout et que la ville est dangereuse. Et tu rentres à la maison pour qu'on te fasse la cuisine, ça t'est bien égal que tes fils meurent de faim pourvu que tu pérores les pieds dans la poussière. Ça fait deux jours que je suis toute seule, deux jours que nous n'avons presque rien à manger. Tu penses peut-être que nous mangeons tes paroles? Écoute, Xanthippe. Tes discours, je les connais par cœur. Et comment? Tu ne me laisses pas parler. Athènes est vaincue. Les Athéniens se font massacrer. Et lui, il se promène avec des voyous, des va-nu-pieds qui l'écroulent. Ah, voyons, Xanthippe. Tu ennuies tout le monde avec tes discours. Et au lieu de te moquer de la prétendue ignorance des gens, tu ferais mieux de te regarder. Mais regarde-toi, regardez-le, ce pouilleux. Maintenant qu'Athènes est vaincue, tu auras enfin un prétexte pour ne pas aller dans les assemblées gagner le pain de ta famille. Parlez pour parler. Fais-toi au moins payer par ceux qui t'écoutent. Fais comme 1000 piastres. Fais-toi donc rechercher par les fils de famille. Ils sont assez bêtes pour te donner de l'argent. Mais je ne sais rien, Xanthippe. Et cette connaissance-là ne se vend la pas. La connaissance. Mais le pain, lui, s'achète. Mais tu crois que nous pouvons vivre avec cette saleté, hein? Socrate. Tu vois, quand Xanthippe est à l'orage, il finit toujours par pleuvoir. Je t'en supplie, Socrate. Fais attention.
terrible malheur est sur nous. Fais attention. Depuis des années, tu te fais des ennemis. Et l'injustice vient si vite. Je préviens qu'il vous est interdit de vous arrêter. Allez! Cela fait des jours qu'ils agonisent et personne ne peut s'approcher d'eux. Nos tyrans craignent que pour les délivrer, un passant les achève. Ces tyrans ont déjà condamné au supplice 1500 Athéniens sans que nul jusqu'ici ne se soit révolté. Et Critias est le plus cruel. Critias, un de tes anciens disciples, devenu le pire des assassins. Si un berger égorgeait la moitié de son troupeau et laissait mourir de faim l'autre moitié, ne pourrait plus dire qu'il est un berger. Ceux-là tuent leurs sujets et se disent de bons chefs d'État. Hier, Alcibiade, aujourd'hui Critias. Quelle tristesse pour Socrate de voir ses anciens disciples se transformer en tyrans. Il faut implorer les dieux, de craindre que Socrate ne nous abandonne. On prie les dieux pour qu'ils favorisent notre destin. Il vaudrait mieux les prier de nous aider à naviguer vers le bien. Que le souffle divin gonfle nos voiles, que nous soyons transportés par la joie des marins apercevant la terre. Pourquoi Alcibiade et Critias ont-ils sombré dans la folie? Pourquoi n'ont-ils pas fait le silence en eux? Le silence pour que le dieu les inspire. La médecine veille sur les corps. La politique doit veiller sur les âmes. Elle n'est pas l'art de la domination, mais l'art de rendre à tous la justice. Bien, Socrate. Éloignons-nous. Arrêtons-nous ici pour réfléchir en paix. En parlant de ceux qui gouvernent par la torture, pourquoi as-tu employé le terme de folie? Ni Critias ni les autres tyrans ne sont fous. Ce sont des criminels. C'est la même chose. Connais-tu la chanson qui dit que le plus grand bien est d'abord d'être bien portant, ensuite d'être beau et enfin d'être riche? Oui, je la connais. Cette chanson dit faux. Le plus grand plaisir est d'être juste. C'est un si grand plaisir que ceux qui font le mal sont comme fous. C'est pour ça que j'ai employé le mot folie. C'est une folie dont ils peuvent tirer profit, Socrate. Et quel profit? La richesse? Le pouvoir sur les autres hommes? Mais s'ils venaient à perdre leur pouvoir, que leur resterait-il? Le souvenir des crimes qu'ils ont commis? La méconnaissance du bien? Leur ignorance que seules les illusions du pouvoir avaient pu leur cacher. Et quelle est la raison de leur crime? Sinon, cette méconnaissance du bien qui les maintient dans un état de perpétuelle angoisse. En vérité, les puissants ont la force. Ils l'exercent parce qu'en eux-mêmes, ils se sentent faibles. Et leur faiblesse vient de cette peur qui les domine.
Il se voit partout et toujours entouré d'ennemis. N'est-ce pas là le propre de la folie? Errez-vous, elle n'est pas cachée. Un tyran peut réduire la cité à son bon plaisir. À ce qui lui plaît, sans doute, pas à ce qu'il veut. L'homme, en effet, ne peut vouloir que son propre bien. Et celui qui commet l'injustice porte avant tout atteinte à sa propre personne. Peu à peu, le souvenir du mal qu'il a commis le rendra fou. Socrate, la vertu est donc la connaissance de son propre bien. La connaissance et la pratique. Et donc, pour administrer la cité, sans lui-même en subir de dommages, le puissant doit pratiquer la vertu. Oui, car s'il est un homme valeureux, il servira d'exemple. Pour survivre, les cités n'ont pas besoin d'arsenaux ou d'empires. Si elles ont la valeur, si elles ont la vertu, leurs citoyens donneront leur vie pour les défendre. Socrate, voici ta femme. Où étais-tu, Socrate? Cela fait 2 heures que je te cherche. Et tu n'as rien d'autre à faire que bavarder. Et qu'y a-t-il, ma bonne amie, que tu me cherches avec tant de zèle? Tu es convoqué au Tholos par Critias en personne. Que te veulent-ils? Ne t'inquiète pas. Nous verrons bien. Pendant que toi, tu sors des phrases, belles phrases, les autres agissent. Et quoi? Que font-ils? Approche-toi, Socrate. Nous t'accusons de violer la loi qui interdit d'enseigner l'éloquence. Je suis décidé pourtant à obéir aux lois, à celles-ci comme aux autres, et pour mieux m'y soumettre, je voudrais que tu m'expliques ce que tu entends par éloquence. Est-ce l'art de convaincre par la ruse ? Ou l'expression naturelle de la vérité? Pourquoi me poses-tu la question si tu connais d'avance la réponse? Tu te trompes. Je te pose la question car je cherche la vérité pour toi comme pour moi. En effet, si tu penses que moi, Socrate, j'utilise les mots de la langue grecque pour m'assurer d'un quelconque pouvoir sur les autres hommes, alors dans ce cas, j'approuve ton interdiction. Mais ne sais-tu pas que je me borne à obliger les autres à parler en leur posant des questions et que le dialogue que je poursuis avec eux n'a d'autre but qu'une compréhension mutuelle? Ce que je sais n'a pas d'importance. Il me suffit de te donner un ordre bien clair. Ne t'adresse plus jamais à la jeunesse. Eh bien, mais pour que je puisse respecter cet ordre le plus fidèlement possible, dis-moi, Calliclès, à ton avis, jusqu'à quel âge les hommes sont-ils jeunes? Tant qu'ils n'ont pas la trentaine. Donc, si je dois acheter des olives à un marchand de moins de 30 ans, je ne pourrais lui en demander le prix. Ne te moque pas de nous, Socrate. Tu nous as très bien compris. J'ai compris que vous vouliez m'empêcher de parler de la justice. Respecte les gardiens du troupeau. Que les brebis restent en paix. Vous connaissez Cléon de Salamine. Nous l'avons condamné à mort. Vous autres citoyens, et toi, Socrate, avez été choisi pour vous saisir de sa personne. Arrêtez-le. Ainsi, vous aurez le privilège de prouver votre fidélité à la patrie et votre fidélité au nouveau gouvernement d'Athènes. Allez, ne vous attardez pas. J'ai été comme toi l'ami de Critias.
Aujourd'hui, j'ai honte d'avoir recherché sa compagnie. Tu vas devenir misanthrope. Mais tu n'ignores pas ce qu'il attend de nous. De toute mon âme, je hais ce tyran. Tu le hais, mais tu vas lui obéir parce que tu en as peur. Moi, je n'ai pas de haine pour Critias, mais je n'exécuterai pas ses ordres. Je rentre chez moi. Tu risques la mort, c'est une folie. Parfois, il faut savoir être fou. Passer en force puisque les remparts sont détruits. Thrasybule doit donner le signal. Que veut-il faire? Prendre le fort par surprise. Ce ne sont pas des confédérés mais des spartiates qui le gardent. Je le sais. Je n'ai pas peur de mourir. J'aime mieux mourir pour Athènes que vivre en exil. Si les Thébains ne nous avaient pas donné asile, nous n'aurions pas survécu. Après la prise d'Athènes, ils auraient pu nous livrer aux tyrans qui nous auraient condamnés à mort. Tu as raison. Je me demande pourquoi ils ne l'ont pas fait. Pourquoi nous ont-ils donné asile alors qu'ils étaient ligués avec Sparte? Menacer l'existence d'Athènes. C'est parce qu'ils craignent eux aussi l'hégémonie spartiate. C'est pour cela qu'ils nous ont laissé prendre les armes. Sans les prendre eux-mêmes. Silence. C'est le signal. Allons-y. Tu vois quelque chose? Non, rien. Mais écoutez, ce sont les acclamations de la foule. On acclame Thrasybule, le nouvel héros du jour. Oui, Critias est mort, lui, pendant la bataille du Pirée. Je le tiens d'Héraclès, l'un de mes voisins qui a participé à la prise du fort. Il est revenu avant les autres parce que sa mère est mourante. Et il a participé à la prise du fort du Filet? Oui, et aussi à la bataille qui s'en suivit. C'est là qu'il a vu le cadavre de Critias et celui de Calliclès. Cette prise du fort du Filet a été un coup de maître. En pleine nuit, et par surprise, Thrasybule a dû modérer l'élan de ses soldats. Quand j'ai su que la flotte spartiate bloquait l'entrée du port du Pirée, j'ai eu peur d'un échec. Par bonheur, Pausanias a donné ordre à Lysandre de se replier avec toute la garnison spartiate. Le roi de Sparte est un sage. Il a compris qu'on ne peut tenir trop longtemps les Athéniens sous la coupe de leurs ennemis. Ainsi, sans le savoir, il a sauvé la vie de notre Socrate. S'il n'avait pas donné cet ordre, et si Thrasybule n'avait pas attaqué cette nuit, Critias aurait fait exécuter Socrate pour avoir méprisé l'ordre qui lui avait été donné. Et voici, ils arrivent. Allons-y, toute la ville est à l'agora.
peuple d'Athènes, la tyrannie est morte. La constitution démocratique est enfin rétablie. Nous veillerons tous ensemble à ce que tous les citoyens d'Athènes respectent la loi. Pour ma part, je propose que pour célébrer dignement notre liberté reconquise, nous accordions à tous l'amnistie politique. Que ceux d'entre nous qui ont été au service de la tyrannie soient exilés. Nous ne souillerons pas notre sol de leur sang. Vois comme ils s'empressent, comme ils sont heureux d'avoir retrouvé nos anciennes lois. Et où vont-ils ? Aux Prytanées. Ce sont les Prytanes, élus par les différentes tribus, ou plutôt les différents dèmes d'Athènes, pour régir et gouverner notre cité et conseiller l'Archonte roi. Et celui-ci, que l'on appelle aussi l'épista, c'est-à-dire le chef de l'État, est chaque soir tiré au sort dans leur rang au coucher du soleil. Ils sont 50. Et tous peuvent espérer parvenir à leur tour au pouvoir suprême. Et cela seulement pour un seul jour ? Ah, pour un seul jour, oui, d'un crépuscule à un autre. L'épista conserve le sceau de l'État et les clés du temple où se trouve et se garde le trésor public. Il serait imprudent de confier le pouvoir suprême à un même homme, fût-il très sage pendant plus longtemps. Et je pourrais un jour être élu par ma tribu ? Bien sûr. Si le sort te désigne et si les dieux ne s'opposent pas à ce choix. Il peut aussi arriver, si tu prouves ta valeur, que dans ta vieillesse, on te donne asile aux Prytanées, comme d'autres citoyens illustres, pour terminer tes jours sans autre préoccupation que celle d'apprendre à tes petits-fils le respect et l'amour de nos anciennes traditions. Depuis que notre cité s'est libérée de la domination spartiate, certains d'entre eux, comme autrefois, laissent sur le sol l'empreinte de la déesse Athéna. Athéna. Salut, l'icône. Terracone. Fève blanc, les dieux t'ont choisi. Alcéon, fève noire. Dans peu de temps, ô citoyens, vous verrez cette cité qui, pour assouvir la haine d'un petit nombre d'envieux, détruira l'un des piliers de sa sagesse. Feront le mal et commettront l'injustice au nom du bien et de la justice. Les générations futures garderont la mémoire de ce crime commis par la communauté tout entière. Préparez-vous à des temps difficiles, car sur cette terre, celui qui méprise sera méprisé. Oh, Socrate ! Viens voir.
Tu te souviens d'Aristophane? Regardez! Et venez écouter comme au spectacle. Tu te souviens de la comédie qu'Aristophane a écrite sur toi? Ô Trinité très sainte, les nuées et le vide, et toi, ma langue bien pendue, Trinité sainte, qui par ton tourbillon a remplacé le faible Zeus, écoute mon invocation. Je t'adore! Et alors, Zeus, l'Olympien, le roi de tous les dieux, toi, nous l'avons changé. Mais alors qui fait pleuvoir? Toi, les nuages. Évidemment, as-tu vu pleuvoir quand le temps est sans nuages? Et qui chasse les nuages dans le ciel si ce n'est le divin Zeus? Un tourbillon, te dis-je. Un vaste tourbillon. Mais dis-moi, que veux-tu de moi? Je voudrais, ô Socrate, que tu m'enseignes à me débarrasser enfin de mes créanciers. Je serai le créancier. Socrate, rembourse-moi mon argent. Mon pauvre ami, mais tu as fait une mauvaise chute, tu délires. Je délire, toi? Oui, tu délires. Mais réponds à ma question. Quand il pleut, est-ce qu'il tombe à chaque fois de l'eau neuve ou est-ce la même eau que le soleil a repompée? Peu m'importe. Rembourse-moi mon argent. Mais comment? Tu rentrerais dans ton argent quand tu ignores tout des choses célestes? Rembourse-moi au moins les intérêts. Toi, intérêts? Et quel genre de bête est-ce là? L'argent qui grossit au fur et à mesure que le temps passe. Toi, bien répondu par le chien. Mais dis-moi, est-ce qu'elle grossit la mer? Non, elle demeure toujours la même. Toi, la mer ne grossit pas d'une goutte. Et tu voudrais que ton argent grossisse? Blasphème! Blasphème! Et alors, qu'en penses-tu, Socrate? L'acteur est bon, mais son Socrate n'existe pas. C'est vrai. J'oubliais que tu te prends pour un modèle de vertu. Tu te trompes, Anitos. J'exerce simplement le métier de ma mère qui était sage-femme. Mais ce ne sont pas des enfants que j'aide à voir le jour, c'est la vérité. Ceci grâce à un art auquel moi et quelques dieux avons part. Tu l'avoues, tu adores de nouveau Dieu. Non, simplement je crois dans ma voix divine comme vous, vous croyez au présage des oiseaux. Les Athéniens sont les fils de la terre. Et si le destin leur a été contraire, c'est parce que des bavards comme toi les ont détournés de leurs anciennes traditions. Laissez-le. Ceux qui veulent voir le soleil se crèvent les yeux s'ils le regardent en face. Ils doivent l'étudier en regardant son reflet dans l'eau. L'âme devient aveugle si elle cherche la vérité dans les détails. Elle doit se réfugier dans le monde de la réflexion. Si tu ne peux même pas nourrir un esclave, comment fais-tu pour ne pas mourir de faim, Socrate? J'ai appris à me passer de nourriture. Et tu vois, c'est parce que je me contente de peu de choses que je suis proche des dieux. Ah! Quel sens tu as par le chien? Moi, j'ai besoin de tout, et tout le temps. Il n'y a que la richesse qui compte. Sans argent, on ne vaut rien, même aux yeux des dieux. Tu te trompes. À un homme riche et malhonnête, les dieux préfèrent un homme pauvre et courageux. S'il suffit d'être pauvre pour posséder la vertu, nul doute que tu ne sois un modèle. Mais si tu ne te fais pas payer par tes élèves, n'est-ce pas pour les retenir près de toi plus sûrement? Il est payé par les Spartiates qui nous l'envoient pour s'en débarrasser. Menteur! Laisse-le! Ils ont bien traité Homère de fou. Je suis fidèle à notre patrie comme n'importe lequel d'entre vous. Tu ne peux nier cependant que c'est Alcibiade, l'un de tes élèves préférés, qui nous a valu la défaite. Alcibiade! Un profanateur à qui tu as toi-même enseigné le mépris de toutes nos traditions. Non, je lui ai simplement fait comprendre qu'il savait reconnaître ce que la vie sans cesse nous apporte de nouveau. Sans doute veux-tu parler de sa trahison et de notre défaite.
Et Critias, lui aussi, comme toi, a dit que nos dieux ne sont qu'une invention de nos hommes politiques. Et Platon, un autre de tes disciples, je l'ai entendu ce blanc-bec proclamer ici même que tant que les philosophes ne seraient pas chefs d'État, ou les chefs d'État philosophes, la politique à Athènes n'irait que de mal en pis. Peu importe si les ignorants se moquent de nous, mais dis-moi, à qui vous en remettez-vous pour diriger les affaires de l'État ? Aux citoyens. Et comment choisit-on les citoyens qui deviendront les chefs de la cité ? Par un tirage au sort, avec des fèves. Oui, nous le savons bien. Diriger les affaires de l'État, n'est-ce pas ce qu'il y a de plus difficile ? Si. Si tu devais entreprendre un voyage par mer, choisirais-tu ton pilote en le tirant au sort ? Non. Et ton cordonnier, ton forgeron, ton médecin, les choisis-tu en les tirant au sort ? Non. Tu le vois donc, tu ne confies pas ta vie à un médecin choisi par le sort, mais tu es prêt, toi, un patriote, à remettre les affaires de ta cité entre les mains d'un inconnu, peut-être d'un ignorant. Or, tu viens d'admettre que la politique est la plus difficile des sciences. N'es-tu pas en contradiction avec toi-même ? Si tu connais si bien la politique, pourquoi t'en tiens-tu éloigné ? Parce que j'ai appris lors du procès des généraux que la place de celui qui combat l'injustice se trouve dans la vie privée et non point dans la vie publique. D'autre part, je suis plus utile en enseignant la juste pratique de la politique à un grand nombre de citoyens plutôt qu'en la pratiquant moi-même. Fais attention. Tu parles comme ces philosophes étrangers qui infectent notre patrie de leur doctrine. Et souviens-toi que nous avons condamné Protagoras. Il est triste de voir les tribunaux d'Athènes se mettre au service de la jalousie et de la peur. Et tu parles de la justice, mais quelle justice quand nous parlons de patrie ? Où donc est ta patrie, Socrate ? Athènes est ma patrie. Je l'ai montré sur le champ de bataille. Mais je persiste à croire que la terre est immense et que bien d'autres peuples ont été dispersés autour de la mer, comme des grenouilles au bord d'un étang. La sagesse n'est pas athénienne. La force spartiate, la prudence corinthienne, d'autres peuples possèdent ces vertus. Je suis athénien, mais je suis aussi un homme, comme tous les autres hommes de la terre. Prends garde à ce que tu dis. T'emploie sans relâche à provoquer nos lois et nos dieux, et tu méprises nos anciennes traditions. Les traditions n'ont un sens que si nous savons tous ce qu'elles signifient. Nous devons nous méfier de la routine. Pris au hasard, par routine, les chefs de la démocratie, ignorants mais possédant la présomption du savoir, tomberont sous l'influence du premier venu et deviendront des tyrans. Pour ma part, je mesure tous les jours la force de la calomnie. Asclépios, toi qui soignes et qui guéris, daigne te souvenir que Théodore, qui veut te sacrifier ce coq, a toujours été ton adorateur, qu'il ne t'a jamais négligé. Accorde-lui la guérison de son fils, écarte de sa famille la maladie et la mort. Que ton intervention lui évite la colère d'Hadès et la malveillance des divinités infernales. Aucun doute, tout ce que l'homme possède, lui, vient des dieux. Mais je me demande si les dieux, eux, ont besoin de nos dons. Théodore t'offre, ô dieu, cette victime immolée, pour que tu puisses en respirer le parfum. Exauce Asclépios sa demande. En offrant un coq, un pigeon, un agneau, c'est-à-dire peu de choses, en échange de la protection des dieux, l'homme demande la satisfaction de ses désirs. C'est-à-dire beaucoup. Avec un coq, ils espèrent même que la mort les épargnera. Mais je les comprends, Socrate. La mort est horrible. Et sans doute est-elle plus douloureuse que la naissance. Qui sait ? Mais peut-être aussi est-elle douce, si elle nous rapproche de la vérité.
Nous sommes mortels, Socrate. L'un de nous avant l'autre va mourir. Si la mort est douce, si elle est une délivrance, que l'agonisant le dise, l'autre sacrifiera un coq à Asclépios. J'en fais le vœu, Criton. En attendant, je pense, moi, que la mort est une délivrance. Si je ne peux trouver la certitude, tant que j'habite mon corps, de deux choses l'une. Ou bien la connaissance m'est interdite, ou bien je l'obtiendrai après la mort. Et tu connais ma curiosité. Que je meure, Asclépios, entouré de mes amis, pénétré par l'espoir de trouver dans l'au-delà le repos de la connaissance. Mélétos, fils de Mélétos, accuse Socrate, fils de Sophronisque, des délits suivants. Socrate ne croit pas aux dieux d'Athènes. Socrate prône de nouvelles croyances. Socrate corrompt la jeunesse. L'accusateur demande la peine de mort. Socrate! Socrate! Et alors, qu'est-ce qui te fait courir de si bonne heure? Une accusation contre toi est affichée à la porte du palais de l'Archonte. Tu dois aller la lire au plus vite. C'est une accusation des plus graves, déposée par un certain Mélétos. Assieds-toi, reprends ton souffle. Il est alors facile de le confondre. Regarde, il vient vers nous. Socrate. Je te salue, Socrate. Tiens, le bel Hippias. Il y avait longtemps que nous n'avions pas eu le plaisir de te voir en ville. Et où vas-tu dans cet équipage? Je vais au gymnase, y prononcer un discours sur la généalogie des héros. Te plairait-il de l'entendre? J'ai affaire, je ne peux malheureusement pas t'accompagner. C'est un discours que j'ai déjà fait et que beaucoup considèrent comme d'une grande beauté. Je serais bien aise de connaître ton avis. D'une grande beauté? C'est donc que tu sais ce qu'est la beauté? Bien entendu. Et tu serais capable de me l'expliquer? Rien de plus facile. Une belle vierge, c'est cela, la beauté. Bonne réponse par le chien. Mais dis-moi, Hippias, peut-on dire qu'une belle jument est belle? Oui. Dans mon pays, il y a des juments de toute beauté. Et une belle marmite, Hippias, peut-on dire que c'est une belle chose? Je ne comprends pas, mon cher Socrate, pour quelle raison tu emploies de telles comparaisons pour parler d'un sujet aussi noble. Ah, que veux-tu? Je ne suis pas distingué. De toute façon, tu es bien obligé de m'accorder qu'une belle marmite est belle. Oui, si tu veux, oui. Mais la plus belle des marmites sera laide si tu la compares à une vierge. De même que la plus belle des vierges sera laide si on la compare à un dieu. C'est bien ce que tu dis. Exactement. Cependant, tu m'as dit tout à l'heure, une belle vierge, voilà qui est beau. Et maintenant, tu me dis que si on la compare à un dieu, elle est laide. Mais elle ne peut être belle tout en étant laide. Tu vois, je ne sais toujours pas ce qu'est la beauté. Je te l'expliquerai un autre jour, à tête reposée. Je te salue. Oh, Socrate, où vas-tu? S'il n'est pas dans tes habitudes de marcher en gardant les yeux baissés. Je pensais à une fable que l'on raconte en Égypte. Un démon du nom de Teute vint trouver le dieu roi Thamos pour lui faire part des arts qu'il avait inventés. Et l'incitait à les répandre parmi les Égyptiens. Il lui parla de la numération, du calcul, de la géométrie, de l'astronomie, du trictrac et des dés. Puis on en vint à l'écriture. La pratique de l'écriture, dit ce démon, développera les connaissances et viendra en aide à la mémoire de tes sujets. C'est là ma plus belle invention, celle qui nous apportera la science. Fort bien, dit le roi. Mais si toi, Teute, tu es capable d'inventer des arts, je suis moi capable de prévoir ce qui résultera de leur pratique. Je peux donc te dire que l'écriture sera d'un effet tout à fait contraire à ce que tu peux imaginer. Les hommes confiants dans l'écriture ne rechercheront plus leurs souvenirs au fond d'eux-mêmes. Ils négligeront l'usage de la mémoire et perdront ainsi beaucoup de leurs capacités.
Au lieu de parler avec naïveté et chaleur, ils citeront des textes avec élégance. Et que pouvons-nous répondre à des citations? Tu opposes donc le discours parlé, que l'on improvise, au discours écrit que l'on prépare. C'est cela même. On pourrait croire que les écrits sont intelligents, mais si tu les interroges, ils ne feront que se répéter. Écrit, le discours passe indifféremment d'une main dans une autre, sans savoir distinguer le profane du connaisseur. Et s'il t'attaque, s'il t'accuse injustement, tu ne peux en aucun cas lui faire entendre raison. Et pourquoi ces tristes pensées, Socrate? C'est qu'une accusation écrite a été déposée contre moi à la porte de l'Archon III. Une accusation? Contre toi? Oui. Viens, allons la lire, je t'accompagne. Que fais-tu ici, Socrate? Abandonnerais-tu le gymnase pour fréquenter les abords du palais royal? Je viens, moi, de déposer une demande de procès devant l'Archon III. En ce qui me concerne, il s'agit d'une action publique d'ordre criminel pour raison d'État. Qui est ton accusateur? Mélétos, qui ne semblait pas m'être hostile. Il prétend, m'a-t-on dit, que j'ai introduit le culte de quelques divinités nouvelles au mépris de nos anciens dieux. Ah, c'est sûrement à cause de cette voix surnaturelle que tu entends à l'occasion. Un novateur en matière religieuse, c'est le genre de calomnie auquel la multitude est sensible. Les Athéniens détestent que l'un de leurs concitoyens ait le moindre savoir en ce qui concerne les dieux. Par exemple, quand il m'arrive de prédire l'avenir devant l'assemblée du peuple, ils se moquent de moi comme d'un fou. Et pourtant, il n'y a jamais eu une seule de mes prédictions qui ne se soit accomplie. Tu le verras, Socrate. Tu gagneras ton procès et j'obtiendrai, moi, satisfaction dans le mien. Contre qui as-tu déposé ta plainte? Contre mon père. Quoi, ton père? Par un coup du sort, oui, Socrate. Et de quoi l'accuses-tu? D'homicide. Par le chien, a-t-il tué quelqu'un de ta famille? Non. Mais pourquoi cette question? Je ne poursuivrai pas ton père en justice pour le meurtre d'un étranger, voyons. Pourquoi pas? Je m'étonne, Socrate, que tu fasses une différence entre la mort d'un étranger et celle d'un parent. La souillure est la même. Si je sais le crime, je dois me purifier. En poursuivant le criminel, comme le veut la règle, quel que soit le criminel, quelle que soit la victime. Comment donc est-ce arrivé? Le défunt est homme de peine sur une de nos terres. Ayant bu, il frappa un de ses compagnons et le tua. Mon père le fit jeter dans une fosse et envoya quelqu'un à Athènes pour savoir comment traiter ce cas. Mais entre-temps, il oublia le meurtrier qui mourut dans sa fosse. Tous me critiquent, arguant qu'il est impie qu'un fils fasse poursuivre son père. C'est qu'ils ignorent ce qu'est la piété, Socrate. Moi, je le sais. Il n'y aurait pas de différence entre le vulgaire et moi si je l'ignorais. Alors, mon cher, explique-le-moi, je t'en supplie. Cela me sera utile si j'ai ce procès. Et pieux et juste ce que je fais. Dénoncer à la justice celui qui est coupable d'un crime, qu'il soit ton père ou ta mère ou ton fils. Zeus, le plus juste de tous les dieux, a enchaîné Ouranos, son père, et l'a châtié sans pitié pour avoir dévoré ses propres fils. Et étant donné les accusations formulées contre moi, je ne suis guère disposé à parler de la divinité, mais entre nous, crois-tu vraiment que les choses se soient passées ainsi entre Zeus et son père? Bien sûr que oui. Et je connais des détails plus curieux encore que le vulgaire ne soupçonne pas. Tu crois donc qu'il y a des conflits entre les dieux? Oui. Et sur l'histoire des dieux, je pourrais te conter des choses que tu serais, toi, Socrate, abasourdi d'entendre. Dis-moi plutôt, toujours pour mon procès, ce qu'est la piété. Ce qui est agréable aux dieux,